L'ancien candidat à la présidence Jean-Charles Moïse, lui dressé un bilan positif de voyage li dans Nations Unies, leader plateforme Petite Dessaline, lui parlé sur plusieurs points dans l'actualité. Jean-Charles Moïse dénoncé façon équipe en place là, voulait mettre l'armée campée dans pays. Monsieur Moïse demandé toute force vive nation pour lever camper contre président Jovenel Moïse. Jean-Charles Moïse t'est parlé comme ça dans micro correspondant nous dans département Nord, Gérard Maxino. Je pense que le gouvernement a une version paille devant l'autorité des Nations Unies. Nous, même comme opposition, nous avons fait autant de voix par nous tous. Nous avons voyagé, ce n'est pas tant que nous avons fait une bataille et diplomatie parlementaire. En même temps, une bataille contre la coopération sud-sud. Même temps, nous avons parlé avec l'autorité des Nations Unies pour nous dire nous n'avons pas d'accord pour prolonger. Ministre dans le pays. Deuxièmement, il n'y a pas de femme qui était sans mari, il n'y a pas de petite qui était sans papa. Pour qui ça, choléra tué, je crois que les Nations Unies qui reconnaissent enfin ceux qui viennent avec choléra, nous disons on s'est déclaré pour reconnaître ceux qui ont choléra, ça va suffire pour nous, les Haïtiens. Ce qui est important pour nous, c'est de dédommager les gens qui sont victimes de choléra. Deuxièmement, soldats ministres qui sont dans le pays, ils ont un paquet de femmes grosses, ils ont quitté les petits dans le pays. Qu'est-ce qui va vous dire à l'école? Et puis tout, je crois que je profite de parler en long et en large. Toi, vous faites dans l'élection. C'est les ministres qui complotaient avec l'international, le groupe pays, avec la bourgeoisie dans la ville, qui prend l'élection la même, et puis qui vont nous l'oreille qu'à l'écrire le journal Moïse. Et puis finalement, qui crase les pays. Tout le monde voit les pays crasés, je dis. Je crois que tout le monde l'aime faire une campagne là. Je te dis tout le pays, si nous ne prenons pas point responsabilité, nous quittons la bourgeoisie, mettez deux matins, et bien nous pouvons crier. Et bien je dis, pas grand qui est encore dans le pays. Tout le monde qui est bourgeois ou qui est versé dans la campagne là, ou il a ouvert la porte, j'en ai ouvert. Il y a peu importe gaz, j'en ai ouvert. Pour moi, le pays est en danger. Et puis tout m'aborder question l'armée avec mon Nations Unies. Justement, il y a des inscriptions qu'a faites pour en première classe dans les nouvelles forces armées d'Haïti que pays en côté doté tête li. Très bien ça. Ndio noter 7 cas pour yo. Pour bagay pays d'Haïti, il y a deux gouvernements militaires. Les États-Unis avec la République dominicaine. Si pour la mer, faut le contrôler pays, faut le contrôler coup de pays. Est-ce que je veux dire nous qu'à camper en face pays ça, nous pas capable. Si pour la mer, c'est pas pays étranger pour bon corps pour faire la mer ça. Est-ce que je veux dire nous qu'un corps pour faire la mer? Non. Nous entrer 70 milliards de gouttes chaque année dans recette non. Pour nous payer professeur, pour nous payer médecin qui dans l'hôpital yo, pour nous payer employé l'état yo. Alors c'est même nous ça va faire grève. Nous ne pouvons pas payer, on met coulis, nous n'avons pas assez d'argent pour nous payer, mais qu'on ne va pas faire l'armée. Si vous ne voulez pas l'armée, est-ce que la police qui est dans le commissaire de la police, nous allons mettre au dehors? Si vous ne voulez pas l'armée, est-ce qu'il y a une loi qui vote? C'est vrai dans la constitution 1987 amendée, hein? Il parle de l'armée effectivement. Mais l'on va mettre article en application, il faut une loi cadre. Commercial. C'est lui qui l'a pour juger militaire qui parle dans l'armée ça. Est-ce qu'on prépare pour ça déjà? Ça, je vais Moïse a fait, hein? Son bagage, mon fou. Je crois que pas quoi son bagage essayer. C'est vraiment, c'est irresponsable. Moi-même, pensais que, question la meilleure, faut camper sous lui. Ce qu'a fait là, c'est pour l'armée pour payer, hein? Mais son corps paramilitaire. Comme que y a encore entré par le national avec, avec élite économique, non? Un baron l'armée. Parce qu'après le ministre final, il est occupé. Deuxièmement, bah, yon nouvelle constitution pour étrangers qui en pays qui devine faire business, qui naturalisé pour capable aller dans l'élection. Et troisième barrière, bah, un conseil électoral permanent. Même quoi que je dis, hein, c'est ça me saute dans les Nations Unies. Je dis, on va venir plein, non? Même venir parler en face, yo. Bagay, Jovenel Moïse pas qu'a dit, moi-même, qui m'a dit, m'tal défendre pays, et m'tal défendre peuple haïtien. Après ça, m'fais allusion tout, président mette dans pays, hein. Mounsa, li met ton boula sans oeil, li pas attendre ouvrier yo, li monte gaz sous en da pays,
Mais il dépose un budget là qui est grave. Budget ça, son budget PTFL qui est rejeté dans le Sénat 2014-2015, qui dit on paye 5 balles pour nos cabrit. Même si nous avons de la pour 100 dollars, l'État ici va gagner 65 dollars là-dedans. Passeport pour le triplé. Nous voulons parler de tes passeports que nous avons acheté dans le DGI. Je dis à tout pour nous avoir classe moyenne, Marie Saint-Tino, Monsieur le Pep, Marie Saint-Tino, nous pouvons passer un moment difficile dans le pays. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter de me croiser. Je vais entrer là, je vais débarquer dans notre pays pour que ce soit fait qui gagne dans plein dino avec limonade. Je vais monter par le prince. Nous parlons de tous les camarades, tout le monde qui a volonté pour s'agir dans le pays, pour faire un véritable fond commun, pour être capable de camper en face du pouvoir en place. Là. Ça veut dire annoncer des journées de mobilisation dans le pays? Mobilisation à tout niveau, parce que nous ne pouvons pas arrêter de boire. Est-ce que nous pouvons arrêter de boire croisé pour quitter le journal de l'affaire? Ça l'a fait la paix haïtien. Nous ne pouvons pas nous arrêter de boire croisé. Misère pire. Insécurité en plus côté dans le pays. Ouais, bourgeois au point pays. International, c'est le camp de l'ordre. Ou un groupe qui dit Jovenel Moïse, mettre la madale pour la province pour parler avec le peuple là. Mais nous-mêmes, nous parlons national. C'est ça qu'a fait là, oui. Nous ne pouvons pas quitter la fête là, peuple haïtien. Voilà, Ndapouté, ancien candidat à la présidence, leader plateforme Petite Dessaline, Jean-Charles Moïse, qui était dans le micro, correspondant nous, Gérard Maxino. Nous avons fait le campé. Madame président Jovenel Moïse, Martine Moïse, te gen akli directeur général d'INEPA Guito Edouard, ensemble avec secrétaire d'État pour mon handicapé Michel Auriol, avec plusieurs autres personnalités, te passé dans le village l'Espoir l'évêque, dans le cabaret, pour annoncer un projet de l'eau potable, et bien pour exécuter dans la commune, sa, dans la communauté. Martine Moïse, dans l'intervention, déclaré, les conscients gen un pile problème dans la zone, nan, mais la travail pour porter solutions à travers organes qui responsables. Déclaration madame chef l'État et dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Nous venons avec solution pour nous parler en pile. Solution c'est que nous allons réparer système water mission qui est arrivé réalisé et nous allons réparer immédiatement. Mais faut me dire nous nous allons prendre capter. Quel que soit où on sent de l'eau sale que nous pral capter, mais nous pral transformer de l'eau en de l'eau propre et en de l'eau potable. Ça, c'est la première solution. Mais avec la coopération espagnole et tout le staff technique du NEPA, nous pral faire en sorte que eh bien, nous faisons un gros forage pour gagner de l'eau en toute heure et à tout moment pour mon cabaret. Dès demain, du NEPA pral remplacer 4 camions ça a convenu avec Yoa, un ou ensemble de bladeurs qui peuvent l'installer dans une zone stratégique yo, pour toujours gagner de l'eau jusqu'à ce que dans un mois nous remettons le système là qui a fonctionné. M'a dit association AIPA, association des irrigants de la plaine de Nagaye, ils ont pas dérangé nous du tout. Nous prenons un petit bloc dans le canal là, mais maintenant de nous avec Kazek yo. Plus particulièrement, nous avons une chance de parler avec Jean-Pierre Nixon et avec l'autre autorité et surtout Mickelson qui l'a parce que immédiatement après que nous avons parlé avec le premier dame, nous avons dit nous allons faire un diagnostic. Ça veut dire que non, moi, nous avons mis le système en fonction, nous n'est pas un ensemble d'appareils que nous allons installer pour en backup, nous allons mettre le système ça. L'autre côté pour nous capables de filtrer de l'eau. Tout autant que moi, rivé et que Dine pas arrivé à mettre le système en fonction, faut que le camion Dine pas à côté de l'eau potable. Donc l'eau, nous pas même besoin de faire l'autre bagarre avec l'eau pour mettre Clorox, pour mettre HTH là-dedans, parce que Dine pas venu avec l'eau traitée. Nous avons écouté des préférences directeur général d'INEPA et nous avons parlé de Guito Edouard qui était avec madame Jovenel Moïse dans le cadre du projet qui pourrait l'exécuter dans le village L'Espoir, l'évêque dans le cabaret. Et nous avons attendu le côté de promettre dans un mois, la population dans la zone a besoin de bon de l'eau potable pour y boire. Nous avons invité à écouter madame président Martine Moïse lui-même qui était parlé dans le micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Visite nous, c'est en réponse à une promesse que nous t'ai fait pour nous détourner.
nous t'es venu avec quelques solutions. Nous t'es venu première fois, c'était en visite de prospection. Pour nous t'es venu regarder qui problème nous t'es gagné bon ici à en eau potable. Qui problème nous t'es gagné en électricité. Est-ce que gagne l'école pour ti moun yo? Est-ce que gagne santé santé là moun yo malade qui côté aller? Tout problème ça m'est venu première fois pour m'ta ouais. Même t'es dit m'ta tourner. Nous avons tourné l'homme de grandes solutions pour au moins une problème. Je dis à mes solutions pour une problème, moi retourner. En attendant que je devine la solution, ça me fait, je fais always, deux fois par semaine, pour te l'eau pour nous capable de boire. Parce que je dis, en attendant si je veux de l'eau pour vous boire, je vais avoir moins du pour vous. En passant, je vais encourager tout le monde à investir dans le pays. Pour qui ça me fait always boire ici, en deux villages, pour nous capable de l'eau. C'est parce que bon monde on l'a télévité qui a décidé d'investir dans la zone de frontière usine de l'eau. Qui fait que moi-même je dis à Mkavini, Mkajouen service cuisine, Mkajouen service always, tout le monde a bénéficié de lui. Alors nous, chaque dans le pays, comme haïtien, investi dans le pays nous, parce que solidarité haïtienne ou haïtienne, ça a vel pour nous commencer, pour nous capables de vivre plus haut. Nous connaissons que nous-mêmes, tout comme haïtien, nous avons des défauts. Tout ça qui provisoire nous a tendance à faire net. Qui vient faire que nous devons avec Always comme une solution provisoire, faut me couper chaîne, faut que nous venions avec une solution définitive. C'est ça que fait que moi je viens avec Dinepa, qui fait étude, qui garde pour voir comment les cabailles tout le monde dans la zone de l'eau potable. L'autre devine de garder, elle dit à partir de demain, le problème de l'eau a commencé. Je remercie la coopération espagnole qui n'a jamais lagué nous ont pas. Nan affaire de l'eau, parce que vous connaissez l'eau gen de l'eau, gen pile l'autre problème de santé que automatiquement qu'on résout. Je dis à cette deuxième visite, moi vini avec solution de l'eau. Mais connais que tout l'autre problème yo, même si m'pa parle de là, je dis à yo là, yo nan tête moi, yo là, yo nan cœur. Mwen pou retourner avec l'autre solution yo automatiquement que m'vanye. Tout ça nous connaît li pas longtemps qui trop loin. Voice of America. Voilà, nous avons écouté Martine, Moïse, qui était dans le micro, Gervens, Ricardo, Jean-Jacques. L'autre nouvelle, allez, dans l'actualité internationale, là, avant ça, n'a pas informé l'ancien candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse. Il dressait un bilan positif de voyage dans les Nations Unies. Leader plateforme Petite Dessaline, il parlait sous plusieurs points dans l'actualité. Jean-Charles Moïse dénonçait façon équipe en place là, voulait mettre l'armée campée dans le pays. Monsieur Moïse demandait toute force vive nation pour lever campée contre président Jovenel Moïse. Jean-Charles Moïse te parlé comme ça dans micro correspondant nous dans département Nord Gérard Maxino. Je pense que le gouvernement a une version paille devant autorité Nations Unies. Nous même comme opposition, nous crois qu'il faut entendre voix par nous tous. Nous te voyager c'est pas tant que l'on tape une bataille et diplomatie parlementaire là. En même temps, bataille contre coopération sud-sud, même t'aller, hein, nous n'avons pas avec l'autorité des Nations Unies pour nous dire, nous ne sommes pas d'accord pour prolonger le ministre dans le pays. Deuxièmement, il n'y a pas de femme qui était sans mari, il n'y a pas de petite qui était sans papa. Pour qui ça, choléra tué, je crois que les Nations Unies qui reconnaissent enfin. C'est eux qui viennent avec choléra. On dit qu'on s'est déclaré pour reconnaître ceux qui ont choléra, ça va suffire pour nous, les Haïtiens. Ce qui est important pour nous, c'est de dédommager les gens qui sont victimes de choléra. Deuxièmement, les soldats ministres qui sont dans le pays, ils ont un bon paquet de femmes grosses, ils ont quitté les petits dans le pays. Qui est-ce qui va vous dire à l'école? Et puis tout, je crois que je profite de parler en long et en large. Toi, vous faites dans l'élection, ces ministres qui complotait avec international là groupe pays avec la bourgeoisie dans Capetonville qui prend élection là même et puis qui ban nous l'oreille calé écrit le journal Moïse et puis finalement qui crase pays tout pour nous voit pays crasé je dis moi crois que tout monde l'aime t'ap faire campagne là nous te dit tout peuple haïtien si ne pas prendre responsabilité nous quitter la bourgeoisie mettre de matin et ben nous pas le crier et ben je dis pas grand rien qui est encore dans le pays, tout le monde qui bourgeois qui était versé dans la campagne, ou il a pu faire pour Jean Ovelé, il a pu importer gaz Jean Ovelé, pour moi, pays en danger. Et puis tout le monde m'a question l'armée avec les Nations Unies. Justement, il y a des inscriptions qui ont fait pour une première classe
dans les nouvelles forces armées d'Haïti que le pays a côté doté tête li. Très bien ça. Ndio noté 7 cas pour yo. Pour bagaille pays d'Haïti, il y a deux gouvernements militaires. Les États-Unis avec la République dominicaine. Si pour vous l'armée, il faut qu'on contrôle le pays, il faut qu'on contrôle le pays. Est-ce que je dis à nous qu'on camper en face du pays? Nous ne sommes pas capables. Si pour vous l'armée, ce n'est pas un pays étranger pour vous, pour faire l'armée ça. Est-ce que je dis à nous qu'on peut faire l'armée? Non. Nous rentrons 70 milliards de gouttes chaque année dans la recette. Non. Pour nous payer professeurs, pour nous payer médecins qui sont dans l'hôpital, yo. Pour nous payer employés de l'État. Yo. Alors c'est même si on va faire grève. Nous pas qu'à payer, on met couler, nous pas mis assez l'argent pour nous payer, mais qu'on va le faire l'armée. Si vous ne voulez l'armée, est-ce que la police qui est dans le commissaire de la police, nous va le mettre au dehors? Si vous ne voulez l'armée, est-ce que vous avez une loi qui vote, c'est vrai dans la constitution 1987 amendée, hein? Il parle de l'armée, effectivement. Mais l'on va le mettre article 100 en application, il faut une loi cadre. Commercial. C'est lui qui l'a pour juger, militaire qui parle dans l'armée, ça? Est-ce qu'on prépare pour ça déjà? Ça, Jovenel Moïse a fait, hein? Son bagage est fou. Je ne crois pas que son bagage est essayé. C'est vraiment son irresponsable. Moi-même, je pense que la question de la mer, il faut camper sur lui. Ce qu'a fait là, c'est pour la mer pour payer, hein? Mais son corps paramilitaire. Comme il y a un accord entre le palais national avec l'élite économique, non? Un baron la mer, parce qu'après le ministre final, il y a un occupé. Deuxièmement, il y a une nouvelle constitution pour étrangers qui sont dans le pays qui devine faire business, qui naturalisé pour être capable d'aller dans l'élection. Et troisième barrière, il y a un conseil électoral permanent. Moi, je crois que je dis, c'est ça que je fais dans les Nations Unies. Je dis, je ne vais pas plaindre, mais je vais parler en face. Le bagage que Jovenel Moïse a dit, moi-même, je me dis, je vais défendre le pays et je vais défendre le pays haïtien. Après ça, je fais allusion à tout. Le président est dans le pays. Mounsa, li met ton boula sans oeil, li pa tande ouvriye yo, li monte gaz sou an da pays an, mais le dépose son budget là, qui grave, budget ça, son budget pète fiel kem te rejete lem te dans Sénat, 2014-2015, qui dit on paye 5 pal venon kabrit, même si le kabrit la pour 100 dollars, l'État ici pal gen 65 dollars là-dedans, passeport pal triplé, nous le parle de ten passeport que moun a l'acheté dans DGI, je dis à tout pour Nabakou, classe moyenne, Marie Saint-Tino, Monsieur le Pep, Marie Saint-Tino, nous pouvons passer un moment difficile dans le pays. C'est pour ça que je ne peux pas arrêter de croiser. Je là, je vais débarquer dans le pays pour que ce soit fait qui est dans plein dino avec limonade. Je monte par au prince, nous pouvons rejoindre tous les camarades, tout pour une volonté pour s'acheter dans le pays, pour nous faire un véritable faux commun, pour nous capable de camper en face pour voir la place là. Ça veut dire annoncer des journées de mobilisation dans le pays? Mobilisation à tout niveau, parce que nous ne pouvons pas arrêter de boire. Est-ce que nous arrêter de boire croisé pour quitter les journées de affaires? Ça l'a fait la paix haïtien. Nous ne pouvons pas nous arrêter de boire croisé. Misère pire. Insécurité en plus côté dans le pays. Ouais, bourgeois au point pays. International, c'est le cap by Lord. Ouais, un groupe qui quitte Jovenel Moïse. Mettre la matin pour la province pour parler avec le peuple. Mais nous-mêmes, nous parlons national. C'est ça qu'a fait là, oui. Nous ne pouvons pas quitter les affaires de la paix haïtienne. Voilà, nous avons écouté ancien candidat à la présidence, leader plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, qui était dans le micro, correspondant à nous, Gérard Maxino. Nous avons fait l'autre campagne.